Bon, allez, c'est parti pour 1h15 de repos. De toute façon, moi, je dors jamais au poste repos, c'est simple. Oh, Bichette. C'est, m'appelle pas Bichette, ça m'agace. Laurent, tu ronfles pas, d'accord? Moi, je veux pas de bruit. Bah, moi, en tout cas, je me sens super toute douce et je vais faire un super bon dodo. Eh, les filles, je préviens, moi, je dors en quelle fouette? Oui, enfin, c'est pas Noël ici, donc tu me feras un plaisir de ranger tes boules. Ah, j'ai les jambes qui gonflent. Eh, c'est marrant quand même, hein, Christine. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a 20 ans, quand on était jeune hôtesse, on était encore tout en barésie. Bah oui, bah maintenant, on est tout en gaine. Oh. À force de manger du fromage dans les avions, on a tendance à ressembler à une raclette. Oh, voilà. t'es dur. Moi, je vais partir, c'est une méditation en pleine conscience avec mon petit Bouddha. Oui, d'accord, Sandrine, mais va pas trop loin parce qu'on a besoin de toi au deuxième service. Non, hein, don't worry, ça va aller. Je vais juste aller faire un petit aller-retour dans une vie intérieure et peut-être même un voyage astral. Bah moi, une fois, j'ai un stew qui m'a dit qui j'étais dans une vie intérieure. Oh, raconte, il t'a dit quoi? Il a dit que j'étais une carotte. Elle a dit qu'elle était une carotte? Ouais, c'est mignon, hein. Oui, c'est mignon, ouais, c'est adorable. Mais enfin, je pense quand même qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Hein. Oui, mais je suis pas. Hein? Vous sentez pas un truc bizarre là? Moi, je sens le sommeil arriver. Mais non, mais sens avec ton nez, bécasse. Ah non, c'est terrible, je m'équipe, j'appelle le capitaine. Karine, t'en fais mille fois trop là. Non, mais là, faut pas rigoler, Christine, ça sent la fumée acre. Ah oui, je confirme, tu vas voir, c'est très loin d'être drôle. Laurent, c'était quand ta visite médicale? Je sais pas, il y a 8 mois peut-être. Parce que tes pieds, ça va pas, faut faire quelque chose là, tu vois. Ah, c'est ça qui schmoute? Qui quoi? Ouais, non. Qui schmoute? Ça schmoute. T'as dit ça schmoute? Oui, ça schmoute, mais tu connais pas cette expression? Mais si, mais ça fait 1000 ans qu'on dit plus ça schmoute. Voilà, tout simplement. Et enlève-moi ta cagoule là, tu ressembles à rien, on dirait Homer Simpson. Voilà. Ça, Laurent, du gel hydroalcoolique, tu t'en fous sur les pieds, partout, tac, 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 sinon parce que je suis à deux doigts de te faire péter ta licence parce que là, c'est pas possible. Eh bien moi, je vais renouveler les énergies du poste repos pour le meilleur des dodos. Ah, ça sent Bangkok, j'adore. Alors attends, juste, je rêve ou elle est en train de faire cramer de la beuh, la sorcière? Ah non, Christine, c'est la sauge purificatrice. Mais j'en ai rien à péter de sa sauge, non, mais attends, on est dans un avion. Enfin, si tu veux, voilà, c'est pas les rencontres du mystère inexpliqué. Mais non, hein, mais je purifie simplement la zone de confort, comme ça je souffle. Bah tiens, bah tu vas voir, je vais souffler dans le réacteur, moi aussi, Jeanne d'Arc, et tu vas voir, ça va te décaper le tarmac. Bon, ouais, ça va bien se passer, les filles, vous inquiétez pas. Allez, j'ai un peu de lecture, moi. Ah, j'ai déjà envie de faire pipi. Ah bah ça m'aurait étonné, je suis vraiment dans l'équipage de clichés. Allez, on éteint la lumière, je suis fatigué, moi.